Eh bien bonjour tout le monde, c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Palladium, et comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à lâcher votre plus gros like. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça me montre que vous êtes là, et c'est un énorme soutien. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, et si l'envie vous prend, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est le plus important. Au moins, comme ça, vous serez au courant de chaque sortie de nouvelle vidéo sur la chaîne. Et un grand merci à vous d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment super plaisir, merci à vous. Bon alors les gars, aujourd'hui niveau nouveauté sur Palladium, on va tout de suite commencer par un petit slash money. Vous pouvez voir que je suis quasiment à 1 million de dollars. Je remercie Nirla qui m'a fait un don de 500 000 dollars. Ça fait vraiment super plaisir, un grand merci à toi. Donc je pense qu'avec cet argent là, on en profitera pour tout simplement acheter des endiums de Gates. Ok d'accord, bon j'y ai cru. Je vais pas vous mentir. Très belle arnaque, hein, monsieur Pika Soxa. En même temps, 10 000 dollars pour un endium ingot, c'est pas trop cher. Bon, après, c'est un fake, hein. Je vous avoue quand même que j'ai failli tomber dans le panneau. Et donc, ouais, niveau endium nuggets, déjà, bah, pour dire, non, bah, y en a pas. C'est inutile d'aller plus loin dans le market, c'est des items qui partent relativement vite, parce que même si les gens les vendent à 1 million, ben, voilà, ça part quand même. C'est de l'endium, hein. Voilà, à côté, je vais également aller dans le minage, pour vous montrer un petit peu l'avancement de ce que j'ai fait, tout ça. Qu'est-ce que je fais là-bas? Donc, on va tout de suite faire un petit slash home machine, je pense que vous doutez déjà du truc. Vous pouvez voir qu'ici, on a une double machine à endium. Donc celle-là c'est la mienne et celle d'à côté c'est celle à Human parce qu'il a voulu venir farmer à côté de moi parce qu'on est dans un biome marais et donc bah, pour XP le métier alchimiste. Ces fleurs là sont très très utiles. Voilà, ici on a des petits drawers, vous pouvez voir que j'ai plutôt pas mal farmé le Kiwano, hein. Je vais pas vous cacher que niveau rentabilité, palladium et fleurs cassées, ben c'est très très rentable. Pour vous dire, je me suis fait l'équivalent d'un demi stack de blocs de palladium en peut-être 3-4 heures maximum. Donc c'est toujours mieux que d'aller miner. Franchement c'est beaucoup moins chiant. Puis là au moins on a que du palladium, on a pas tout un tas d'autres minerais. Également au niveau recherche de cette machine, je remercie HumanBots qui a bien voulu me TP à son spawner à squelette. C'est grâce à lui si on a pu arriver à quasiment 20 000 poudres d'os ici. Bon, je vais pas vous cacher également qu'à la base il y en avait plus, mais j'ai plutôt beaucoup farmé. Je vais vous montrer ça juste après. Et sinon, dernière petite chose sur le minage, c'est que vous pouvez voir ici, j'ai commencé à creuser un petit peu bah, tout simplement dans un désert. Faut savoir qu'avec la Atarix, on a un projet de base. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que je pense pas être autorisé à vous divulguer plus d'informations concernant ça. Mais voilà, j'ai commencé à farmer du sable, on en a quasiment 32 000. Ouais, plus 31 500 pour le moment. Il y a une technique vraiment toute conne pour farmer rapidement. Je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je remercie quand même HumanBots qui me l'a montré. Voilà, pour vous dire, là, les 32 000 de sable, je les ai farmés environ une heure. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a un trou quand même qui est plutôt gigantesque. Bon, sinon les gars, je suis également en train de penser que l'ABP que je vous ai montré dans la dernière vidéo a tout simplement été pillé. Donc si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, je vous avais montré cette petite BP. Et à la place de ce bloc de sandstone, il y avait tout simplement un bloc en palladium avec un peu de stuff dedans. Là, il y a des trous ici, c'est parce que j'ai tout simplement agrandi la base. Et j'ai également partagé cette base avec Happy 5060. On va dire Happy, tout simplement. Et donc, voilà, donc je partageais cette base-là avec un membre de ma faction qui est Happy. Et bah, malheureusement, il y a eu un traître, un pillard, qui a tout simplement bah, décidé de piller notre BP et pas les autres. C'est bien dommage. Donc ouais, moi j'ai perdu l'équivalent de 1 million de dollars environ dans mes coffres, tout ça. Lui il a dû perdre 8 ou 9 millions. Enfin bon, voilà, pour vous dire, ouais, donc j'ai plus de BP. Donc là ici j'ai plus rien du tout. D'ailleurs je vous avais montré, il me semble, la base claim. Donc la base claim, donc c'est bon, une trahison de l'intérieur. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est ramené, un petit connard, hein, vraiment. On va pas se priver pour l'insulter, ce type là qui s'est pointé avec de la big dynamite. Donc là ça, bon, ça a été un peu réparé, mais de toute façon je pense qu'on restera pas indéfiniment là-dedans. Il a tout simplement pris de la tina, puis il a tout cassé. Si je vous retrouve des screens, je vous les mettrai si j'y pense, mais il y avait absolument des trous partout. Je veux dire, ça ressemble à absolument rien. Déjà là ça ressemble à absolument rien parce qu'il y a tout qui est cassé, vous pouvez voir. Absolument plus rien non plus. Et j'ai pris 2 cœurs de dégâts, je sais pas d'où ça vient. Enfin bon, voilà, juste pour vous dire que clairement, bah... c'est pas ouf ouf quoi. Là on n'a plus rien du tout. Bon, tout à l'heure dans le minage, à côté de la machine à endium, je vous disais que j'allais vous montrer l'avancement de mon farm. Et donc bah écoutez, voilà, je vous montre un petit peu l'état de mon underchest. Vous pouvez voir qu'on a quasiment 3 stacks d'orange blue seeds, c'est plutôt pas mal. Donc je tiens à dire que ces orange blue seeds, elles iront dans le palladium crusher tout simplement pour pouvoir fabriquer des endium nuggets. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée le fait qu'ils aient rajouté le palladium crusher parce que ça simplifie énormément le farm de l'endium. Et bon, même si c'est ultra simplifié, on va dire que c'est vraiment très 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 long. Voilà, vous pouvez voir aussi quelques chose qui a plutôt changé, hein. Il y a un item qui avait plutôt beaucoup de valeur qui est en moins, bah, on va dire, dans l'under chest. C'est tout simplement mon seed planter. Il a tout simplement été clear durant un problème de synchronisation. C'est bien dommage. Donc ouais, voilà, juste pour vous dire, j'ai perdu mon seed planter. Mais bon, écoutez, j'ai farmé plutôt pas mal. Donc écoutez, bah, ça rentabilise la perte que j'ai eue. Bon ok les gars, je vous prends vite fait, désolé pour la qualité son, elle est pas ouf ouf, j'ai pas eu le temps de faire les réglages correctement suite à mon problème de micro, mais là on a Happy et So Gamer qui viennent de m'appeler tout simplement parce qu'ils ont trouvé la base à Few sur iWaz. Bonjour les gars.
Salut à Salut. toi. Alors, Happy, je vais déjà te dire un truc dans un premier temps, mec, c'est que tu es réellement un taré, gros. Tu trouves des pillages H24, mec, je sais pas comment tu fais, et là tu tombes sur la base de Fuse, gros. J'arrive direct. Mec, j'en tremble encore. Bah, tu m'étonnes, mec. Attends, je suis au champi là. Attends, slash TPA, Happy. Ah, gros, ouais, je veux voir ça de mes yeux, gros. Je te jure, c'est bon du coup. Ah, tiens, ça m'a TP Fais en bas, attention. mec. Ça m'a TP en bas. Te mets pas en sneak. Oh putain. Oh, oh nom de Dieu. Putain, mec, c'est génial. Oh putain. Mais gros, mais je te jure, je sais même pas quoi dire, mec. Même moi, j'en perds les mots. Mais mec, t'es officiellement un taré, mec. Je te jure, tu es officiellement un énorme taré, mec. Tu trouves combien de pillages par jour? Juste comme ça. Sais pas, moi. Oh là là. Bah écoute, franchement, c'est magnifique. Ce gamer, t'as fait une estimation, toi, tu m'avais dit combien de millions le drawer il vaudrait? 22 millions. 22 millions de dollars de blague Ben merci à toi, mon fusain. Ouais, bah écoute, je sens que je vais me prendre des commentaires en mode ouais, pourquoi t'as pillé Fuse et tout, mec. Mais. Bah franchement, Le jeu. j'ai. Bah ouais, mais gros, franchement, je sais même pas quoi dire, je te jure, mec, franchement, c'est abusé. Mais écoute, GG Happy. Merci à toi. Du coup, tu m'as appelé comme ça en mode vas-y, ramène des panneaux, tu vas te puber. Bah écoute, vas-y, je te laisse prendre le drawer, du coup, maintenant c'est le tien, vu que c'est toi qui l'as pillé, mec. Au moins, du coup, vu qu'on s'est fait piller la BP, mec, Pas de clear log, non. toi, ça te rembourse large, tu vois. Yes. T'es large remboursé. Bah attends, reste là, gros, faut que j'aille chercher des panneaux, moi. Pas de problème. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille en chercher. J'ai regardé, attends, sur le minage. Mais mec, mais t'es un énorme taré, gros, je te jure, mec. Je vais quand même lui laisser un petit cadeau de ma part. Oh là 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 là. Attends, je. Gros, je me bats les couilles, gros, je coupe un arbre. Des panneaux, j'en prends combien? Toi qui vois. Qu'est-ce qu'on met comme message aussi? On va mettre un message au nom de la Atarix et puis je vais mettre ma chaîne YouTube aussi. Bien sûr. Oh putain, mais gros, mais je m'y attendais tellement pas, mec. Et moi alors, mec, je viens de clear tout un mine shaft en dessous, qui est en La bas. vache, la vache, la vache. Bon, attends. Du coup, ça y est, j'ai mes panneaux. Faudra casser le pilier après. Ouais. Attends, il was du coup. C'est ça le cadeau que tu lui laisses? Attends, il était où le bloc de Palin? Je sais pas où Il mettre les était panneaux. ici. Je sais pas où mettre les panneaux. Le drawer était juste là où je suis. Attends, parler. Je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que je mets, les gars? On va mettre pillé par là Atarix. On va mettre bah. Happy 50-60. C'est quoi ce gamer, ton pseudo? Ce gamer 27. Ce gamer 27. Et puis je vais mettre Cardian. Et ici je vais mettre bah, en vidéo sur la chaîne Cardian. Puis on va mettre entre parenthèses bah, 10K soon. Tout ça part de l'île aux champignons, hein, putain. Et voilà. Bon, écoute, dis-moi ce que t'en penses, gros. Attends, je check. Des panneaux, mais. Ouah, mais mec, franchement. Ça, je... Mais gros, mais. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est Ouais, tranquille. yes. Alors, il y a 3%, mais bon. Attends, au pire, attends, on va mettre trouver part. Ce sera beaucoup plus simple. Trouver part. Bon, je te mets en premier, je mets nos pseudos avec ou pas? Ouais, pas de problème. Partage. On va mettre ce gamer en deuxième. On va mettre les mages correctement en plus. Hein. Ce gamer 27 et Cardian. Hop là, voilà. Et en vidéo sur la chaîne Cardian Dikasun. Et bah écoute. Et puis bah, tu sais quoi? On va mettre un autre panneau. Puis on va mettre. Merci Fuse. Bisous. Et voilà, bah c'est nickel. Franchement, c'est cool.
Bah écoute, GG Happy, je pense que le mieux maintenant ce sera de. Enfin, ça va être de casser tout ça. Ouais. Et puis bah écoute, Fuse, tu passeras certainement par ici, mais enfin voilà, bah écoute, c'est le jeu. Hein. Merci à toi. Bon, après, c'est pas moi personnellement qui vais garder le drawer parce que bon, c'est Happy qui a trouvé la base. Bon, bah écoute, bah je te remercie, mec, ça fait super plaisir de m'avoir appelé. Et puis, bah c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. Et puis, bah merci ce gamer aussi. Pas de soucis. Bon allez les gars, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like. Voilà, c'est gratuit, ça montre que vous êtes là, c'est un énorme soutien aussi. Pensez également à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez grâce à cette vidéo. Vous êtes bientôt 10 000, ça me fait vraiment super plaisir, un grand merci à vous. Je vais apporter une petite précision aussi pendant qu'on a l'outro de cette vidéo. C'est que je vais essayer tout simplement de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc une le mercredi et une le dimanche. Ou le samedi, à voir. Dans tous les cas, 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le week-end. Voilà, ça me permettra de reprendre une activité un peu plus régulière sur la chaîne. Puisque faut savoir que j'ai été pas mal inactif dernièrement, donc bon, je m'en excuse, voilà, et c'est vrai qu'avec l'ordi que j'ai, c'est pas ouf ouf quoi. Donc voilà, je vais tenter un rythme de 2 vidéos par semaine, donc soyez présents, activez la cloche de notification si vous êtes abonné, c'est le plus important. Et sur ce les gars, bah moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine les gars, ciao bye les gars, c'était Cardian.